La France s'est lancée depuis plus de 20 ans à la suite des rapports Viennot, rapport Bouton, a été créé le code de gouvernement entreprise, communément appelé code AFEP-MEDEF, puisqu'il émane des entreprises elles-mêmes. Ce sont les entreprises qui se sont mises ensemble et qui ont cherché ensemble à s'auto-réguler en développant un code au meilleur niveau. Il est effectivement au niveau, meilleur niveau mondial. Il n'a rien à envier au code américain ou au code britannique. C'est souvent Londres qui donne le la en matière de gouvernement d'entreprise. Et il est beaucoup plus développé, par exemple, que d'autres codes européens continentaux. Il est basé sur le principe comply or explain, c'est-à-dire appliquer ou expliquer. Les normes ne sont pas en soi obligatoires, mais quand on ne les applique pas, il faut d'une part expliquer pourquoi. Et d'autre part, qu'est-ce que l'on fait en pratique pour obtenir plus ou moins le même but que la règle? Et ceci est un grand avantage. Par rapport à un code qui serait législatif, fait par la puissance publique, et qui serait un petit peu aveugle, le droit souple, comme on l'appelle, la soft law, comply or explain, a le grand avantage qu'il permet de responsabiliser l'entreprise. Ce n'est pas l'application aveugle de principe, ce n'est pas mettre des croix dans des boîtes. On a souvent vu d'ailleurs, notamment chez nos amis américains, que les entreprises qui ont fait des sorties de route spectaculaires étaient celles qui étaient primées pour leur, soi-disant, très bonne gouvernance. Parce que dans cette matière, il faut faire attention à ce que le formel ne l'emporte pas sur le fond. Et notre code est vraiment basé sur ce principe-là, que ce qui est important, c'est l'esprit, c'est le but que l'on poursuit, beaucoup plus que le respect formel de certaines règles. Pour aller plus loin dans ce principe, le code français a institué tout récemment, au mois de juin 2013, une nouvelle instance qui s'appelle le Haut Comité de gouvernement d'entreprise, que j'ai l'honneur de présider, et qui est l'émanation des entreprises, mais aussi des investisseurs et de quelques experts juridiques, pour suivre la mise en œuvre du code, pour rappeler à l'ordre ceux qui s'en écarteraient, non pas en leur imposant la règle, là encore, mais en leur disant, si vous ne l'appliquez pas, vous devez l'expliquer, et votre explication, ben franchement, là, elle n'est pas bonne. Il faut trouver autre chose, ou alors revenir à la règle. Je crois que peut-être le point qu'il faut retenir, c'est que pour le public, si on laisse de côté les investisseurs avertis, mais pour le public, ce qui a parfois le plus choqué, ce n'est pas le comportement moyen des uns et des autres, ce n'est pas les rémunérations moyennes ou les retraites, c'est le comportement de quelques personnes qui ont clairement exagéré, ce que je pourrais appeler des sorties de route par rapport aux automobilistes réguliers. Et le principe du Haut Comité par rapport à cela, c'est que les sorties de route ne peuvent pas se prévoir et les délinquants, entre guillemets, ne se signalent pas à l'avance en général. Donc nous, ce que nous pensons, c'est que allant vers plus de transparence, plus d'exemplarité, en élevant partout le niveau de gouvernance et le niveau de compliance, c'est-à-dire de respect du code, nous pensons que nous réduisons très significativement le risque de sortie individuelle de route.